Vous écoutez le libre journal de la douceur de vivre, dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 24 mars 2023, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Retour à bord avec quatre écrivains français qui sont fêtés ce soir, et j'en suis fort aise: Marcel Aimé, Henri Béraud, Pierre Gripari, Alexandre Vialat. Alors évidemment, malheureusement, on les a entendus tout à l'heure, on a entendu leur voix par des documents sonores, mais ils sont morts. Mais ils ont des gens qui les soutiennent et qui font tout pour qu'on continue de les lire. Jean-Pierre Belleville s'occupe de Marcel Aimé, Francis Bergeron de Béraud, Jérôme Trollet de Vialat et Raphaël Pajares, le petit dernier que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, de Pierre Gripari. Alors, Henri Béraud, cher Francis Bergeron, oui, le mal aimé? Non, je dirais, ça a été... Il a été très peu de temps mal aimé, mais surtout, il a sombré dans l'oubli à partir de sa condamnation à mort et de son emprisonnement jusqu'à sa mort, je dirais, et même un peu au-delà. Il a été oublié. Il a été oublié parce que, d'abord, c'était pas un écrivain engagé au sens de Maurras, de Brasillach, de gens comme ça. C'était un écrivain qui avait ses humeurs, c'était un polémiste qui adorait la polémique, qui adorait se disputer avec les gens, qui adorait faire des articles, des éditoriaux de Gringoire, de l'hebdomadaire Gringoire, des éditoriaux virulents. Il ne savait d'ailleurs jamais s'il était fâché ou pas avec tel ou tel collègue, parce que c'était un tempérament, c'était un sanguin, c'est quelqu'un qui adorait la polémique. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a donc pas été défendu une fois condamné pour avoir notamment critiqué l'Angleterre et avoir soutenu le maréchal Pétain pendant l'occupation. Et personne ne l'a défendu, alors que justement... Brasillach, Drieux, Céline et d'autres ont eu un public pour les défendre et éventuellement même des journaux, voire des partis politiques ou des groupuscules, disons, pour les défendre. Béraud, lui, suscitait une certaine méconnaissance ou indifférence. Et il y a jusqu'au jour où un professeur de français du lycée du Parc à Lyon, le professeur Jean Butin, a écrit la première biographie d'Henri Béraud vers 1975, quelque chose comme ça. Et cet homme, qui est mort d'ailleurs très récemment, a fait vraiment un gros travail de remise à l'honneur de cet écrivain, notamment en tant qu'écrivain régional, en tant qu'écrivain régionaliste. Mais en même temps, dans ces années 50, enfin ces années des années d'après-guerre, on pouvait lire du Béraud dans, par exemple, dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires sur les régions de France, sur la langue française, il y avait des textes de Poix, de Mistral, de Béraud. Il était donc à la fois oublié et en même temps banalisé comme en tant qu'écrivain régionaliste. Et aujourd'hui, grâce d'abord à Jean Butin et puis grâce à l'association des amis d'Henri Béraud, Béraud a retrouvé une place, modeste peut-être, mais a retrouvé une place dans la littérature. Et surtout, on s'est aperçu que l'œuvre de Béraud, elle n'est pas simplement une œuvre de romancier pris Goncourt, disons, ni une œuvre de polémiste type Gringoire, mais qu'il y a énormément de choses autour de Béraud, puisque Béraud amalgame à la fois les régionalistes lyonnais, c'est le grand écrivain lyonnais, avec Bernard Clavel, avec quelques autres, mais disons que on considère que c'est le grand écrivain lyonnais. Il y a des murs d'images aussi à Lyon, où on voit Béraud, où on voit du moins les titres, ses principaux titres, la Gerbe d'Or, la librairie, la,
boulangerie La Gerbe d'Or, qui était la boulangerie de son père, s'appelait encore La Gerbe d'Or il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, ils vendent des fringues, mais il y a encore quelques années, c'était toujours la boulangerie La Gerbe d'Or. Et les gens venaient, enfin, les gens qui connaissaient venaient, disons, voir ou se faire photographier devant la boulangerie. Donc, ça amalgame, Béraud, son œuvre amalgame à la fois les régionalistes lyonnais, les régionalistes de l'île de Ré, puisqu'il a, avec l'argent de son concours, il a acheté une maison, plutôt trois maisons, trois bicoques à Saint-Clément-des-Baleines. Et aujourd'hui, on considère que c'est l'écrivain de l'île de Ré. Tout livre qui paraît sur l'île de Ré a vocation historique, etc., ou dictionnaire de l'île de Ré, enfin, tout ce genre de choses. Il y a toujours un chapitre sur Henri Béraud, soit sympathique, soit antipathique, mais on ne peut pas parler de l'île de Ré de manière un peu historique sans évoquer Béraud. Parce que Béraud a contribué à mettre l'île de Ré à la mode avec Suzy Solidor, avec Joseph Kessel, avec Paul Collin, avec tous ses copains qu'il faisait venir, avec Horace de Carbuccia, le directeur de Gringoire. Donc il a contribué à mettre à la mode cette île. Donc il y a les régionalistes rétés, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont nés sur l'île de Ré, mais il y a un public pour ça. Et puis Béraud, c'est aussi un critique de peinture. Et ça, c'était complètement oublié. Il a été critique de peinture. Il a peint lui-même. Béraud était très éclectique dans ses passions. Il a peint lui-même et il a fait découvrir les peintres lyonnais des années 1920, disons, des gens comme Jacques Martin, un certain nombre de peintres. Et tout ça, c'est réédité aujourd'hui. Quand on édite, enfin, il y a des spécialistes lyonnais qui rééditent en recueil les articles de Béraud consacrés aux peintres lyonnais, parce que c'est vraiment un précurseur sur ce plan-là. Il fait découvrir ses auteurs. Et puis, Béraud, c'est un écrivain populiste, je dirais. Vous avez toute une bande d'écrivains de ces années 20 et 30, comme Carco, Sandrars, Macorlan, dont on parlait tout à l'heure. Dabi. Il y avait un courant. Puis Pierre Benoît, on peut mettre Pierre Benoît aussi dans cet ensemble-là. Il y avait tout un courant d'écrivains qui finalement avaient une langue facile à lire, un peu comme Simenon dans un autre genre, mais qui en même temps écrivaient des choses très intéressantes. Et ce qui est très paradoxal, c'est que les grands écrivains de l'époque, Georges Duhamel, de ce genre de Schlumberger, toutes les Gallimardeux, ceux qui écrivaient pour Gallimard et dont on trouvait les œuvres à l'étranger, ces écrivains-là ne sont plus jamais réédités. Plus jamais. Alors que les écrivains populistes, que j'appelle populistes, continuent à avoir un public et sont constamment réédités. Et concernant Béraud, aujourd'hui, tout est réédité. À peu près tout. Sauf ses mémoires. À l'exception de du dernier tome de ses mémoires qui n'avait jamais été édité, qui a été édité récemment, mais tout est réédité. Donc on réédite ses poésies, on réédite ses critiques littéraires, on réédite ses critiques de théâtre, on réédite on édite ses romans policiers. Il a écrit, alors sous le nom de sa femme, il a écrit des romans policiers quand il était en prison sur l'île de Ré, puisqu'il a eu la chance, si je puis dire, d'être emprisonné sur l'île de Ré après la guerre. On réédite tout récemment, on vient de rééditer le premier de ses ouvrages de reportage, c'est-à-dire ce que j'ai vu à Moscou, qui vient d'être tout juste d'être réédité. Ça, c'est intéressant, il faut qu'on en parle. Donc, et l'éditeur en question, qui s'appelle Oda Izarn, prévoit de rééditer ce que j'ai vu à Berlin et ce que j'ai vu à Rome, c'est-à-dire la trilogie de ses reportages. De ses reportages dans ces pays de dictature ou de totalitarisme. Oda Izarn les réédite. Ses romans policiers sont réédités dans la collection ou sont édités quand ils n'avaient jamais été édités, sont édités également chez Oda Izarn dans la collection de romans policiers Le Lys Noir. Vous avez des inédits comme La Petite Place. Parce que j'ai racheté tous les inédits en salle des ventes, hein, je dois dire. Mais ça, c'est
Philippe Randa, enfin, c'est l'équipe des éditions du, je sais plus comment ça s'appelle, du Temps ou d'Eterna, enfin, il y a tout, 36 noms, mais c'est réédité. Et puis, tout récemment, vient d'être édité, son journal de prison, TF-677, qui est en fait le dernier tome de ses mémoires, puisqu'il l'écrit alors qu'il est en prison successivement à Fresnes, à Poissy, puis sur l'île de Ré. Et le tout dernier ouvrage qui vient d'être publié chez D'Eterna, c'est peut-être ce qui me vaut la chance et le privilège d'être invité ce soir, c'est Le Nez au Mouchoir. Le Nez au Mouchoir, qui est le dernier ouvrage polémique de Béraud et qui a une histoire. Ce livre a une histoire parce que Béraud a commencé à faire de la polémique politique à partir du 6 février 1934. À peu près. Jusqu'à présent, jusqu'en février 34, Béraud était un homme de gauche. Béraud était révolutionnaire, enfin socialiste révolutionnaire, si on veut, ou radical socialiste, mais avec des tendances à gauche. Et jusqu'à son voyage à Moscou, qui lui ouvre les yeux sur quelque chose de vraiment d'un système politique très très particulier, totalitaire. Et donc, à ce moment-là, il y a le 6 février 34 après cela. Et il prend parti pour les victimes, c'est-à-dire ces anciens combattants assassinés sur la place de la Concorde en 1934. Parce qu'on nous ressort toujours le 6 février 34 comme étant une émeute d'extrême droite, de fascistes, etc. Mais enfin, qui sont les victimes? Les victimes, ce sont des manifestants. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des manifestants. Donc, il y avait d'un côté des manifestants désarmés et de l'autre côté des policiers au service de l'État français de l'époque qui ont tiré sur les manifestants, qui ont tué des manifestants, des anciens combattants, mais qui ont tué aussi une soubrette de l'hôtel Crillon en face de la place de la Concorde. Mais j'avais un grand-père qui y était, figurez-vous, mon grand-père maternel. Donc voilà, c'est tout à fait vrai. Il y est allé parce qu'il était ancien combattant. Il n'avait strictement rien à faire, des ligues et tout. Mais je voudrais d'abord qu'on vienne un peu sur l'association des amis d'Henri Béraud. Vous envoyez pas de bulletins, vous, à vos... C'est plutôt des livres qu'il reçoit. J'ai envoyé des bulletins. On a dû publier 40 ou 45 bulletins. On a fait ça au début. On faisait un bulletin par trimestre. Et puis, là, en 2000, je sais plus si c'est en 2015, j'ai acheté en salle des ventes tous les inédits de Béraud. Et là, on s'est dit, il faut qu'on publie le maximum de choses. Vous savez, il faut qu'on mette le paquet. C'est un conseil que je donne d'ailleurs aux amis de Gris Paris. Il faut mettre le paquet au début. Il faut aller le plus loin possible, le plus vite possible, le plus fort possible. Parce qu'après, ça retombe toujours un petit peu. Et puis après, c'est une question de génération aussi. Il faut pouvoir transmettre son association. On l'a vu avec la période de transition. C'est toujours compliqué. Donc il faut taper très fort, publier le maximum de choses, partager l'information, aller le plus loin possible. Et après, gérer ça comme une sorte de capital qu'on a mis de côté. Alors, c'est pour ça qu'on a suspendu un petit peu les cahiers et qu'on s'est mis à trouver des éditeurs pour essayer d'éditer le maximum de choses. Alors, vous m'avez dit, vous avez supposé que je vous ai invité à cause ou grâce au Nœud au Mouchoir. D'abord, j'invite dans mon émission des gens qui parlent bien à la radio parce que c'est important d'avoir des gens qui connaissent bien leur sujet. Et deuxièmement, je défends la littérature et les écrivains. Et troisièmement, je veux dire que j'étais absolument bouleversé. J'ai trouvé que son journal de prison est un texte admirable. Et ça m'a fait penser... Alors,
attendez, toute proportion gardée, mais j'ai pensé à une réflexion de Solzhenitsyn qui dit que quand on envoie un poète au goulag, c'est pas la même chose que d'envoyer un mineur de fond. Bien entendu, le mineur de fond est tout aussi innocent que le poète, hein, on est bien d'accord. Mais pour un poète, bon, on a vu par exemple des gens qui ont disparu dans le goulag très vite, comme Ossip Mandelstam, celui qui avait écrit un bouquin si charmant qui s'appelait « Le bruit du temps », quel beau titre d'ailleurs. Bon, et là, quand j'ai lu ce journal de prison, mais j'ai trouvé ça remarquable, et rien que pour ça, je voulais vous inviter, parce que, un, il n'y a pas que la question politique de Béraud en prison, il y a aussi, on voit l'état des prisons à l'époque. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on est très mal vu en France et tout, mais là, c'est épouvantable. Et puis ce sadisme des gens de la prison, avec quelques exceptions près, quand même, de temps en temps, il y a un petit accointement, vis-à-vis des gens qui, bien entendu, ont fait des conneries et doivent ou ne pas, dans son cas, ils ne le méritaient pas, mais des voleurs, des assassins, moi, j'ai rien contre le fait qu'on ne les mette pas en prison, mais ce n'est pas une raison pour être sadique avec eux. Voilà. Et il y a une autre raison aussi, c'est que ça lui arrive à lui, justement, au poète, enfin... Il est le gars qui sait écrire, qui a du goût. L'intellectuel, oui. Voilà, et puis, non, puis même l'artiste, et puis qui a du goût. Vous parlez de la peinture, par exemple. Bon, bah, c'est, quand on aime la peinture et la littérature, c'est ou qu'on aime le cinéma et la poésie. Enfin, on va vers l'art. Il aimait par-dessus tout Wagner et le Beaujolais. Alors, j'aime ni l'un ni l'autre, personnellement, parce que je trouve que Beaujolais, c'est pas assez goûteux, mais peu importe. Mais c'est bien d'aimer Marcel Aimé et le Châteauneuf du Pape. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bon. Il y a des bons vins à Dole, d'ailleurs. Pas les vins du... Du Jura, oui, les Arbois. Bon, un peu trop sucré, peut-être. Attendez, parce que vraiment, moi je dis, ce journal de prison, c'est un chef-d'œuvre, et vraiment, il faut le lire, l'acheter. Et alors, ce qui est extraordinaire, cher Alain Bocard, c'est que ce journal de prison était inédit. Il avait été, donc, Béraud avait écrit ce journal, et Jean Butin en avait le tapuscrit, et le manuscrit, d'ailleurs. Et il n'avait jamais été édité de son vivant, puisque Béraud meurt en 58. Il n'a pas été édité de son vivant. Il a été libéré assez tôt, parce qu'en fait, d'abord, il n'était pas coupable, et puis ensuite, il était malade. Il avait fait une sorte d'AVC ou quelque chose comme ça. Donc, il est libéré tôt, et il n'a pas jugé peut-être utile, ou personne ne s'est occupé de publier TF-677, qui est son matricule de prisonnier. Et finalement, c'est Jean Butin qui me dit « Vous devriez éditer ce TF-677. Nous avons édité pour les adhérents, et donc un tout petit nombre d'exemplaires, je crois en deux fois 350 exemplaires, chose comme ça, ou 250. Enfin, c'était tout petit à l'époque, c'était au début de l'association. Ça a été, les gens ont réagi d'ailleurs un petit peu comme vous le faites ce soir, en disant c'est bouleversant. Voilà, c'est un récit bouleversant. Et mais par contre, j'ai eu le filleul de Béraud, qui s'appelait Bérard, qui était le fils du patron de Pathé Marconi, celui qui avait enregistré ce que nous avons entendu écouter en début d'émission, le filleul de Béraud qui habitait l'île de Ré, qui doit être mort maintenant, je pense, compte tenu de son âge, ou qui est gâteux, enfin, à mon avis, il l'était déjà à l'époque, et m'a écrit en disant « C'est un scandale que vous publiez ce livre, il faut attendre que les passions se soient apaisées pour rééditer les livres de mon parrain. Et d'ailleurs, ajoutait-il, Henri Béraud n'a jamais été membre du Front National. » Bah, ça, je voulais bien le croire, mais je ne voyais pas le rapport d'ailleurs avec ce qui précédait. Mais c'est pour dire l'inculture de ce bonhomme et le fait que rien n'était vraiment fait pour permettre au public, à un public un peu plus large, de connaître cet ouvrage. Et donc, grâce aux éditions d'Eterna, on a pu lui donner plus de... Et là, les nouvelles sont bonnes pour les ventes, ça progresse bien. Disons que les
Béraud est aujourd'hui recherché, il est collectionné. Des libraires comme Éric Fauss ou des gens comme ça me disent, depuis que l'association a pris en main, si je puis dire, l'œuvre de Béraud, il y a vraiment une appétence pour ces ouvrages. En salle des ventes, enfin partout, on voit que Béraud, il y a les collectionneurs, les amateurs recherchent du Béraud, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, 40 ans. Alors, pour l'autre livre, Le nœud au mouchoir, qui raconte ses articles, et notamment ses prises de position contre l'Angleterre, je me suis rappelé de quelque chose que m'a enseigné Jean-Jacques Pauvert. C'est que Jean-Jacques Pauvert, dans les années 50, il a commencé à publier Le Marquis de Sade. Et tout de suite, évidemment, la justice lui est tombée dessus. Et son avocat n'était pas n'importe qui, c'était Maître Maurice Garçon, qui est quand même ce qu'on appelait un ténor du barreau. Et Garçon faisait une plaidoirie disant « Vous devez permettre la publication de Sade parce que c'est un grand écrivain. » Et après, il disait « Mais attendez, et si c'est un mauvais écrivain et que j'ai envie de le publier ?» disait Pauvert. Ça, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu vraiment pour la liberté d'expression. Il disait d'ailleurs une chose, c'est que dans les gens qui étaient contre la liberté d'expression, il y avait pratiquement toujours des féministes. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Moi, je pense qu'il se trompe complètement, Béraud. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, il n'aime pas l'Angleterre, moi je l'aime. Bon, bah voilà, et puis qu'est-ce que ça change? Bon, je me suis demandé d'ailleurs, je vous pose une question là. Bon, on dit que c'est ses positions contre l'Angleterre qui lui ont valu la prison. Mais est-ce que c'est pas aussi, parce que quand même le Parti communiste était quand même puissant à la Libération, est-ce que c'est pas son retour du RSS? Moi, je crois plutôt à cela, parce que son retour du RSS, donc en 1925, Béraud est considéré comme un homme de gauche, un homme du peuple, un fils de boulanger. Donc son père travaillait la nuit, se levait à 1h du matin et se couchait à midi ou 13h après avoir fait son pain et après l'avoir vendu. Et Béraud était parti en Russie avec la foi du charbonnier révolutionnaire. Et il change complètement son fusil d'épaule. En plus, il travaillait pour un quotidien de gauche à l'époque. Il change complètement son fusil d'épaule et il dit « Mais c'est pas possible, ce régime est un régime policier, ce régime est un régime totalitaire. J'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. » Enfin, tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais à l'époque qui était assez nouveau, assez scandaleux. Et il y a eu toute une campagne contre Béraud. Le Parti communiste a publié des plaquettes, a publié des ouvrages contre Béraud en disant « C'est un traître. » Alors après, il a été rejoint, il y a eu le retour du RSS de Gide, il y a eu d'autres anciens communistes qui ont abjuré leur foi. Mais Béraud a été vraiment l'un des premiers et ça a fait beaucoup de tort au Parti communiste à l'époque. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas oublié, ces gens-là n'ont pas oublié ça. Alors que ces articles anti-anglais... Pour un homme qui n'avait aucun contact avec les Allemands, comme l'a confirmé De Gaulle. Oui, c'est étonnant. D'ailleurs, vous citez De Gaulle. Mauriac. Dit, voilà, mais... j'ai lu le bouquin. Il n'y a pas intelligence avec l'ennemi. Oui, il y a vraiment. Il écrivait ça. Bon, c'était son opinion. C'était déjà son opinion avant guerre. C'était même déjà son opinion à l'époque d'avant la guerre de 14. Enfin, il était très jeune, mais il était dans un milieu où il y avait eu le fachoda, il y avait eu tout ça. Enfin, son père lui racontait les raisons de ne pas aimer les Anglais. Bon, il n'aimait pas les Anglais alors qu'il parlait anglais en plus, ce qui est un peu paradoxal. Mais moi, je ne crois absolument pas à la thèse de l'Angleterre qui aurait fait pression pour qu'il soit condamné. Je crois tout simplement qu'il est arrêté. D'abord, il ne s'enfuit pas. Il est il est avenue Niel chez son ami, un de ses amis Herbert, qui avait le théâtre des Deux Ânes et tout ça. Il était en train de dîner ou de déjeuner. À ce moment-là, il y a des résistants qui arrivent. Enfin, des résistants parmi eux. Enfin, des résistants. Bon, et il est embarqué. Mais lui, s'attendait pas du tout d'ailleurs à ça, parce qu'il il a écrit les mêmes choses avant 40. Il a écrit les mêmes choses. Toute sa vie, il n'a jamais aimé les Anglais, Fashoda, Jeanne d'Arc, enfin toute la série des turpitudes anglaises, ce qui nous paraît un peu ridicule aujourd'hui peut-être, mais après tout, c'était sa position, voilà. Mais
Il a même eu chaud, je pense, parce que on a évoqué Eugène Dabi. Vous savez ce qui est arrivé à Eugène Dabi? Ah bah, il a disparu. Alors, il y va comme sympathisant. Oui. Il n'était pas au parti, mais sympathisant, comme Gide. Hein. Et tous les soirs à la table, il dit « Oh là là, ça va pas, ça me plaît pas. » Puis d'un seul coup, il attrape une maladie. On lui dit « On va vous soigner, on vous renverra après. Ouais. » Bah, ils l'ont pas renvoyé. On l'aurait soigné pour une maladie banale alors qu'il aurait eu le typhus. Mais en fait, on y a peut-être fait une picouse et puis voilà. Quoi. Donc, il y en a eu beaucoup comme ça, oui. Oui, et Dabi... Dabi, j'aime beaucoup parce que c'est aussi... C'est, alors là, c'est Paris. C'est Paris populaire, voilà, c'est oui. Paris, c'est Paris, c'est Paris voilà, populaire, bon. Oui. Allez, Pajares. Oui, Eugène Dabi qui a écrit Hôtel du Nord, qui est un très très beau livre et qui a d'ailleurs... Il a pris L'Hôtel du Nord, il a écrit. Ah, L'Hôtel du Nord, j'ai dit c'est Hôtel du Nord. C'est le film qui s'appelle voilà. L'Hôtel du Nord. Oui, et qui a donné, paraît-il, moi je ne suis pas célinien, mais à Céline l'envie d'écrire Le Voyage au bout de la nuit. Mais je voulais revenir sur ce que disait M. Bergeron, j'ai une question aussi, parce que nous avons un point commun, c'est Tintin. Et en fait, lorsque vous dites que les communistes n'ont pas pardonné à Henri Béraud, est-ce qu'on peut dire la même chose de Céline avec Mea Culpa, qui est son premier pamphlet, qu'il a écrit au retour d'un voyage de Russie, et Hergé avec le premier album de Tintin. Oui, moi je pense que les communistes sont organisés, enfin c'est un parti, et puis alors, comme le disait Alain Pocard, c'était 25 à 30% des voix après la guerre. Ces gens-là, ils haïssaient les antistaliniens, que ce soit d'ailleurs des gens qualifiés de droite, ou que ce soit des trotskistes, ou que ce soit des gens comme Souvarine, enfin des dissidents du communisme. Donc ces gens-là ont été poursuivis de la haine du Parti communiste jusqu'à la fin. C'est seulement maintenant que les communistes peuvent éventuellement tolérer tel ou tel écrivain ou tel ou tel artiste. Mais à l'époque, oui, c'était binaire. Hein. J'ai relu des textes de Jean Dutour. Il pense du bien de tous les auteurs qui sont présents dans le studio. Oui. Et il était même ami avec Vialat. Ah, oui, et il était aussi en très bon terme avec Gripari. Bon, c'est vers la fin de la vie de Gripari. C'est quand même grâce à lui que Pierre Gripari a eu le prix de l'Académie française, le prix de la nouvelle pour le conte Cuistre. Mais je vais vous dire que Dutour écrit, il dit, mais on ne comprend pas. La violence, c'était quelque chose de naturel, la violence des pamphlets avant 14, et même ça reprend. Ouais. Bon, il y a la période d'Union nationale, c'est un peu normal, bon, et ça reprend, et jusqu'en 1940, des gens comme Léon Daudet, comme Sénep, comme Béraud, sont des gens qui s'expriment avec beaucoup de violence. Et maintenant, on est dans un univers complètement de vaseline, enfin c'est... Alors, il y a une chose qui a été... Parce qu'on a publié son procès à Béraud. Il y a une chose qui lui a été reprochée, c'est que son procès s'est passé en 2 jours. En fait, c'était très rapide. La première journée est consacrée aux articles de Gringoire parus en 1936 qui ont abouti à ce que, comment s'appelle-t-il, le ministre Salin Gros se suicide. Alors, c'est pas les articles de Béraud, c'est les articles de Béraud, du Parti communiste, enfin de l'Humanité, d'un certain nombre de journaux d'extrême droite ou d'extrême gauche qui ont publié ce genre de choses. Mais ça a été le thème de la première journée, c'est uniquement sur les articles de Béraud de 1936 contre le Front populaire. Et après, la deuxième journée, là, c'est Béraud contre l'Angleterre, c'est Béraud anticommuniste. Et d'ailleurs, Béraud essaye de se défendre. C'est un peu pitoyable, entre nous soit dit, mais enfin, il défend aussi sa peau. Bah il oui. défend sa peau. Il dit, oh, non, mais moi, j'étais pas vraiment anticommuniste. J'étais... Enfin bon, je me mets à sa place aussi. Mais on voit bien que... enfin, en tout cas, c'est pas l'histoire de l'Angleterre, ça, c'est sûr. Contrairement à ce qu'on lit très souvent. Alors, de toute façon, on va reparler encore des associations dans la dernière partie. Mais vous voulez dire quelque chose, Jérôme Trollet ? Oui, j'aurais aimé, pardonnez-moi cette question d'une très grande naïveté, mais il était pour qui, finalement, Henri Béraud ? Pourquoi ? Lui, c'était un ancien combattant de la guerre de 14. Oui. Il y avait donc le maréchal Pétain, il était pétainiste.
Et il considérait que les Anglais, effectivement, les Anglais voulaient nous piquer nos colonies. Enfin, il y avait tout un discours qui était assez classique là-dessus, qu'il avait déjà tenu avant-guerre, qu'il avait tenu même avant la guerre de 14, oui. Est-ce qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui ou dans les médias qui se réclament d'Henri Béraud ? À part les moi, médias, j'en connais pas trop. Non, mais il y a énormément de gens, et quand on a créé cette association, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui connaissaient Béraud, qui aimaient Béraud, parce qu'ils avaient lu Béraud, ou leurs parents lisaient Gringoire, parce que les articles de Gringoire avaient beaucoup de succès. Ça tirait à 1 million d'exemplaires, Gringoire, donc c'était, c'était quand même... Moi, c'est surtout tout voilà. Gosse, j'avais lu d'une belle édition illustrée, comme on faisait autrefois, Le Martyr de Lobèze, pour lequel il a eu le Goncourt, qui a été adapté au cinéma, pas mal. Mais est-ce qu'il a eu d'autres livres adaptés au cinéma? Ciel de Suie, qui est donc le troisième livre de son triptyque sur ce qu'il appelle l'histoire du pain, enfin la quête du pain, je crois. Et Ciel de Suisse a été adapté avec Louis Jouvet. Avant-guerre, alors. Non, après-guerre. Après-guerre. Oui. Ça commence par une citation de Béraud. Mais le nom de Béraud, il est encore en prison à l'époque, hein. Le nom de Béraud n'est pas cité dans le film. Ça s'appelle Le Revenant. Le Revenant, c'est l'histoire d'un type qui revient à... Ah bah attendez, c'est un film de Christian Jacques, c'est un chef-d'œuvre en plus. Oui. Enfin, absolument. C'est un film remarquable, Un Revenant, ça s'appelle. Hein. Un Revenant. Moi, j'aurais dit Le Revenant, mais ouais, peut-être Un Revenant. Le cinéphile, d'accord. Là, vous m'aurez d'accord, pas en d'accord, lui, d'accord, hein, d'accord. Ça, et c'est l'histoire, c'est Ciel de Suie. C'est un film magnifique. C'est Ciel de Suie. Magnifique. Et ça se passe dans les traboules lyonnaises, oui, etc. Oui, et alors à la fin, Louis Jouvet rompt avec une femme qui essaye de se raccrocher à lui parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est assez violent, d'ailleurs. Oui. Et ça se passe aussi dans les milieux de la, c'est soyeux. Sur le quai de la gare, la fin. Voilà. Voilà, les soyeux lyonnais, etc. Oui. Vous pouvez peut-être voir, ça doit se trouver sur YouTube. Mais il existe en DVD. Oui. Je préfère d'ailleurs... Bon, le Martyr de Lobel, je préfère le roman au film. Mais en revenant, je n'ai pas lu le roman, mais je peux dire, le film est remarquable. Oui. Voilà, bon, on va reparler tout à l'heure de l'association des amis d'Henri Béraud. En tout cas, moi, je peux vous dire que son journal de prison, il faut le lire, mais c'est passionnant à tout point de vue, même sur la question même de la prison aujourd'hui. Il n'est pas question de ne pas envoyer les voleurs et les assassins en prison, mais bon sang. C'est que voilà, et ça il le décrit magnifiquement, et c'est avec beaucoup d'humanité. Il parle des autres qui sont des petits salauds aussi, mais ils sont des petits salauds, mais il en parle aussi avec beaucoup d'humanité. Alors il s'est occupé de la bibliothèque de la prison de Saint-Martin-de-Ré. Je suis allé voir le directeur de la prison qui s'appelait Vin, mais il n'y avait plus de traces de... Voilà, il m'a expliqué que les livres étaient jetés. Il était allé à Poissy avant. Oui, il était à Poissy, oui. Pajares. Oui, j'avais une question pour Monsieur Bergeron. Je voulais savoir si les livres de Henri Béraud étaient tombés dans le domaine public. Parce que quand je vois, pour rééditer un auteur qui n'est plus édité, nous, on est en plein dedans, c'est très compliqué. Alors, je voulais savoir justement ses droits étaient tombés dans... Non. 70 ans. Non, il n'est pas tombé dans le domaine public, d'accord. Puisqu'il est mort en 58. Donc ça tombera dans le domaine public en 2028. Il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Non, il n'a pas de... Alors, Jérôme, j'ai cherché des descendants, des ayants droit, etc. Je n'en ai jamais trouvé. D'accord. On m'a parlé d'une institutrice à Lyon. Enfin bon, j'ai lancé toutes les possibilités de contact, mais on a pris le parti de publier, puis on verra bien après. Voilà. Très bien. Messieurs, nous sommes sur Radio Courtoisie et on va se refaire un petit peu de réclame pour parler comme Violette. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, sur Radio Courtoisie, on parle aussi de Marcel Aimé, et j'en suis fort aise. Et on va parler du dernier recueil de... Cahier. Le dernier cahier, qui porte le numéro 40.
C'est avec une photo de Marcel Aimé. Mmh. C'est bien d'ailleurs parce qu'il y a des photos de tous nos auteurs sur les bulletins et ils ont toujours des bonnes têtes. Hein. C'est Gripari, Vialat, tout ça. Alors, dans le cahier Marcel Aimé, vous avez des contributions et ça, c'est intéressant. Il y en a qui viennent de Roumanie, de Russie, du Mexique, d'Espagne. Et je sais, dans les numéros précédents, il y en a qui venaient aussi d'autres pays. Il est mondialement connu, Marcel Aimé. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, ses œuvres ont été traduites dans un nombre de langues incroyable. En particulier les contes du chat perché. On les trouve même en Asie, en Corée, en Chine, au Japon. En Chine populaire. Alors, oui, parce que c'est pas très ancien. Oui, c'est pas Taïwan. C'est vraiment la Chine pop. Et ça rappelle la fois où il y avait marqué sur les livres autrefois où on voyait droit réservé pour tout pays, y compris l'URSS. Bon, alors, ce numéro est plus particulièrement consacré, cher Jean-Pierre Belleville, à sa relation d'amitié vraiment très profonde, avec Jean Anouilh. Et Jean Anouilh, Jean Anouilh est d'abord un homme de théâtre, mais comme Marcel Aimé, il a beaucoup travaillé pour le cinéma. Et j'ai appris notamment que c'est lui qui a fait les dialogues, l'adaptation de Caroline Chéry, roman de Cécile Saint-Laurent, Jacques Laurent. J'ai l'affiche. Pour le cinéma, voilà. Alors, cette amitié, comment s'est-elle développée? Comment ça a commencé? Alors, ça s'est passé très progressivement. Ils ont eu un premier contact, je pense, en 1940, pendant la guerre. Ils ne se sont pas revus. Et c'est à la Libération, ils se sont retrouvés dans la défense de personnes qui étaient condamnées à mort. Alors, il y a Brasillac, entre autres. En fait, ils militaient pour l'abolition de la peine de mort, d'une part, et pour la liberté d'expression, d'autre part. Donc, en fait, ce sont, je pense, ces combats qui les ont remis en contact. Et puis, quand Marcel Aimé est arrivé sur la scène, au théâtre, c'est-à-dire que les premières pièces de Marcel Aimé ont été créées après la guerre, c'est là qu'ils se sont vraiment retrouvés. Et notamment, ils étaient souvent dans les mêmes théâtres. Et alors, ils avaient même le même décorateur, Jean-Denis Malclès. Jean-Denis Malclès, effectivement. Qui a fait d'ailleurs des couvertures de livres de poche. Il a eu sa cote, hein, Malclès. Voilà, hein. Et c'est très bon, d'ailleurs, c'est très bon. Oui. Et ils sont très vite devenus inséparables, puisque Marcel Aimé avait acheté une maison à Gros-Rouvre, une maison de campagne, qui était à 2 kilomètres de la maison de Jean Anouilh, qui était à Montfort-l'Amaury. Donc, le week-end, ils se rendaient visite. Les vacances, ils les passaient tous les deux au Cap Ferret. Et puis, en semaine, ils se retrouvaient très souvent au théâtre. Et d'ailleurs, souvent, Marcel Aimé, par exemple, prenait la défense de Jean Anouilh quand il était attaqué dans la presse. Donc, en fait, ils avaient des liens. Il a été attaqué beaucoup pour une pièce qui s'appelle Pauvre Bitos. Voilà, c'est sensationnel, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Sensationnel, cette pièce. Ben, ils ont eu chacun leur pièce à scandale. Marcel Aimé, c'était La tête des autres. Et Jean Anouilh, c'était Pauvre Bitos. Contre la peine de mort. Voilà. Moi, j'ai lu des pièces, je ne les ai pas vues, mais j'ai lu des pièces de théâtre de Marcel Aimé comme Louisiane. Et puis même une nouvelle comme La fille du shérif, qu'est-ce qu'il était anti-américain? Il est allé aux États-Unis. Alors, il est allé aux États-Unis à l'invitation du magazine Collier's. Très chicote. Hein. Voilà. Et il était, il avait comme guide Pierre Tisser, qui était un éditeur canadien du Québec. Et sa femme de Pierre Tisser, Michèle Tisser, était une animatrice de télé très connue
à Radio-Canada, c'est elle justement qui est venue à Paris faire l'interview de Marcel Aimé. C'est donc aux États-Unis qu'ils se sont connus. En fait, Marcel Aimé, il était pas tellement anti-américain. C'est d'ailleurs ce qu'il a écrit à une universitaire de New York qui a fait une thèse sur son œuvre. En fait, c'est surtout le racisme dans le sud des États-Unis qui critiquait d'une part, et d'autre part aussi la course, comment dire, le carriérisme des jeunes cadres américains qui devaient toujours produire plus, etc. C'était en fait les deux points qui le choquaient aux États-Unis. Mais pour le reste... La nouvelle, la fille du shérif qui est restée longtemps inédite, si je m'abuse, elle est quand même très anti-américaine, c'est-à-dire les États-Unis sont capables de raser l'Europe comme ça. Enfin, c'est, je la trouve un peu dure quand même. Enfin, elle est dure mais juste, comme disait l'autre. Mais il était quand même... il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas dans cette puissance américaine quand même. Ah ben, c'était l'impérialisme. C'est le problème de toutes les grandes puissances qui ont tendance à un peu écraser les moyennes puissances. À chercher leur intérêt. Qui écrasent les petites puissances, je veux dire. Chercher leur intérêt, c'est souvent au détriment des autres. Ah, bien sûr. Jérôme Trollet, vous avez lu La fille du shérif ? Non, je n'ai pas lu. Pas lu non plus. Ah, il faut la lire. Mais je vais la lire. Le génie de Marcel Aimé, c'est qu'il raconte une histoire avec des millions de morts. Il dit, alors j'ai appelé ça La fille du shérif, parce qu'en fait, ça, c'est une anecdote, mais c'est une histoire très belle avec la fille du shérif et tout, dont il a manifestement rien à faire et tout. Alors, vous citez beaucoup quelqu'un qui a écrit une bonne bio, très bonne bio d'Anouilh, qui est Anca Visdehi, qui avait connu Anouilh. Vous avez travaillé aussi sur Marcel Aimé et Anca Visdehi? Non. J'ai utilisé le livre qu'elle a écrit. Le livre d'Anca Visdehi. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de la rencontrer. C'était une personne charmante, pleine de dynamisme, de créativité. Et... Il fallait cette bio quand même pour arriver à bien cerner Anouilh. J'ai eu également un livre d'une de ses filles, Caroline, qui est en fait sa deuxième. Oui, c'est très, très agréable à lire. Sa deuxième fille, puisqu'il a eu 5 enfants. Ah oui. De 3 unions. Alors, Marcel Aimé, lui, il nous plaît parce qu'on a déjà dit qu'il a refusé la Légion d'honneur en disant quasiment « vous pouvez vous la mettre où je pense ». Mais il a refusé aussi l'Académie française, mais en termes plus mesurés, en leur disant « je n'arriverai pas à parler devant 39 personnes ». Alors, son problème éloquence, élocution, moi, on dit toujours qu'il avait du mal à parler, mais ce qu'on a entendu tout à l'heure était plutôt bon. C'est un peu monocorde. Mais sinon, il lit un texte là. Ah oui, manifestement. Je pense qu'il était plutôt taiseux. Enfin, j'avais écouté un entretien d'Arletty par Marc-Claude Loup, qui est extraordinaire, disponible sur YouTube, où elle parle à un moment de Marcel Aimé comme Buster Keaton, etc. Elle disait qu'il était plutôt taiseux, qu'il pouvait passer des heures sans rien dire. Mais je crois que ce que dit notre ami Belleville, c'est ça l'origine. Oui, c'est problème de santé, d'ailleurs pourquoi je ne vous ai pas apporté l'interview avec café de Max Favalidi, parce que le pauvre, il posait des questions, Marcel Aimé répondait simplement par oui ou non. Donc c'était l'intervieweur qui faisait le dialogue. Alors ce qui est étonnant, et là je vais plaisanter un peu, mais j'ai l'impression dans un texte de Marcel Aimé, où il évoque la présidence de la République et l'Élysée, qu'il est un peu le père de la Ve République. Écoutez, je plaisante pas, je vais le lire, Le palais de l'Élysée, dont le nom symbolique est agréable d'ironie, devient le palais de la retraite dorée, où l'on goûte la satisfaction d'avoir assis sa carrière après des années de lutte,
de concessions et d'angoisses pour rester une vedette de la politique. Il faudrait précisément que la dignité de président de la République ne fût pas le couronnement d'une carrière. Un homme qui n'eût, il faudrait choisir en dehors des chambres un homme qui n'eût pas 500 copains au Palais Bourbon au Luxembourg, un homme jeune qui ne regarda pas à faire sauter le Parlement, un homme enfin dont on ne parla pas seulement à l'occasion d'un centenaire ou d'une inauguration et qui fut injurié par un bon tiers du pays. Il n'en manque pas dans le bottin. Mais finalement, il veut un président. Voilà, c'est écrit en 1930. Hein, oui, oui, mais c'est ça qu'il veut. Macron. Il veut Macron. Non, je pense qu'il voulait peut-être. Non, il voulait plus de ses présidents. Il ne voulait plus de ces présidents qu'on assassinait dans une calèche ou qui se faisaient prendre à l'Élysée dans une situation que nous ne rappellerons à personne. Nous la connaissons tous, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est... Finalement, messieurs, est-ce que tout écrivain ne se doit inévitablement quelqu'un qui voit l'avenir? Parce que peut-être parce que ce n'est pas un optimiste, un pessimiste joyeux, mais un pessimiste. Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Moi, je crois pas que l'écrivain, il est comme tout le monde. Il n'est pas forcément. Il n'a pas un don de double vue. Mais je pense par exemple à Béraud, dans Le nœud au mouchoir, il termine en disant pour les polémistes, ça se termine toujours très mal. Et il cite donc un certain nombre de polémistes, Rivarol, etc. Mais en l'occurrence, il avait bien vu la chose, puisque lui-même, son aventure de polémiste s'est quand même terminée très mal. Donc, je voudrais revenir parce que Gripari disait toujours, il vaut mieux être un pessimiste joyeux qu'un optimiste inquiet. Or, finalement, je trouve que Vialat, que Aimé, Gripari, Béraud aussi un peu, sont pas des gens optimistes, mais qui respirent quand même beaucoup de joie, qui apportent de la joie au lecteur. Oui, tout à fait. Leur écriture témoigne d'une recherche de l'image, de la gaieté, de l'inattendu, beaucoup plus. Enfin, Vialat n'a pas exprimé dans sa vie d'opinion politique très franche, très 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 tranchée, etc. Mais parce que ça n'était pas son style, Son style, c'était l'humour et la métaphore. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de texte politique de Marcel Aimé, sauf peut-être Uranus, et encore parce que... Bon. Alors, il y a le confort intellectuel, si je peux me permettre. Oui, mais... Ça s'est engagé quand même. C'est engagé. Alors, il se moque des gens un peu d'après-guerre, qui sont le snobisme, finalement, de Saint-Germain-des-Prés. Il en avait fait un roman, d'ailleurs, qui s'appelait... j'ai oublié, ça commence par un T... où il se moque justement des snobs qui parlent avec ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui avec des anglicismes plein la bouche. Travelingue. Ah oui, extraordinaire. Travelingue. C'était dans les années 30. C'est écrit à l'époque du Front Populaire. Et il annonce le bobo. Oui, c'est ça. Il annonce le bobo. Hein, c'est... Ouais. Alors, il y a un texte politique de Marcel Aimé que vous connaissez certainement, qui est la préface au livre de Paul Serran, « Où va la droite ?». Et là, il fait une espèce d'analyse pour faire plaisir à Serran. Il fait toute une petite analyse de la situation politique. Et puis, tout d'un coup, il termine en disant « Mais je suis en train de dire des stupidités. Je crois à rien de tout ce que je viens d'écrire. Le suffrage universel, les machins, tout ça. Enfin, c'est que des conneries, quoi. » En gros, je caricature sa pensée. Mais c'est très amusant comme texte. En fait, il débute cette préface en disant que Paul Serran avait fait un mauvais choix en le choisissant comme préfacier parce que il considérait que la droite comme la gauche étaient des systèmes d'oppression de l'être humain et qu'il détestait tous les partis politiques. Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Raphaël Pajares quand il dit que le confort intellectuel est un livre politique, parce que d'abord c'est un livre que beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai pas dit politique, j'ai dit engagé. Ils pensent que oui. Ah bah bon, mais alors à ce moment-là, ils pensent que Marcel Aimé défend, critique le conformisme.
intellectuel, mais pas du tout. Il défend le confort intellectuel, c'est-à-dire le classicisme contre la modernité. Il est même assez vachard contre Baudelaire. Bon, il pousse le bouchon un peu loin. Il dit qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire, tout ça, etc. Mais il y a la description de la... C'est Monsieur Lepage. Lepage. Il accueille chez lui, en tout bien tout honneur, une snobinarde qui revient d'un boucher qui, ou d'un petit bistrot où le patron a le visage défiguré par je ne sais quoi. C'est d'un chic absolu, etc. Non, non, ça chante à chaque fois. Il a de tous les, c'est pas un proche, mais de tous les écrivains qui sont là, c'est sans doute lui qui a gagné le plus d'argent parce qu'il a beaucoup travaillé pour le cinéma. Il a été adapté, mais il a aussi travaillé pour le cinéma. Oui, ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses adaptations, puisque j'ai relevé une cinquantaine de films, téléfilms et films d'animation tirés de ses œuvres. Et même au théâtre, ces œuvres qui ne sont pas des œuvres de scène ont été adaptées. Par exemple Le confort intellectuel. Oui, c'est vrai. Par Nerson. Nerson, oui, je me souviens de ça dans les années 80. Alors, le Passe-Muraille, il y a eu beaucoup d'adaptations. Oui, mais le Passe-Muraille n'est pas une œuvre théâtrale, c'est une nouvelle et ça a été adapté en téléfilm. D'ailleurs, ils ont rallongé l'histoire. Oui, en film, mais je parle au théâtre. Ah, excusez-moi, d'accord. En plus. Alors, moi, je trouve que la plupart des adaptations de Marcel Aimé au cinéma sont mauvaises. Exactement. Alors, je veux dire que le record, c'est Le Chemin des Écoliers. Parce qu'il y a quand même l'histoire d'un gars qui fait, pendant l'occupation du marché noir, de viande, mais en fait, c'est des gens qu'il a découpés en morceaux, et c'est joué par Jean-Claude Brialy. Alors, c'est pas tout à fait quand même. Bah, Uranus, c'était pas mal, Uranus. Bizarrement, oui. L'adaptation la meilleure est sans doute Uranus, que je trouve d'ailleurs plus anticommuniste que le roman. Parce que Claude Berry a été communiste dans sa jeunesse, et voilà, et il règle des comptes aussi. Oui, il y a eu aussi l'adaptation de La Vouivre de George Wilson, que j'ai trouvé assez fidèle au roman. Enfin, il y a une charge érotique importante, c'est quand même un roman assez érotique, même si la fin est différente, par contre. La Vouivre, c'est vraiment un roman franc-comtois. C'était tourné dans le Midi. Non, ça a été tourné près d'Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoît-du-Sault. Avec Fernandel. La Vouivre, c'est avec... Excusez-moi. La Vouivre, tout récemment. En 1989. Avec George Wilson, effectivement. Avec Lambert Wilson, d'ailleurs, qui fait le soldat qui rentre de la guerre. Je trouve que ce n'est pas un très bon film. Et je trouve même que La Vouivre, qu'on voit toute nue sous toutes les couleurs et qui est une fort jolie fille, mais elle n'a pas quelque chose de magique. Non, parce que le fait qu'elle se montre nue sans cesse, ça enlève tout le mystère. Exact. Et je trouve que les meilleures adaptations, c'est Pierre Tchernia qui les a faites à la télé. Notamment l'homme qui a une auréole, ça c'est magnifique. La grâce. Alors, l'association de Marcel Aimé est quand même très... Vous avez aussi vos amis, etc. Et vous avez un prix Marcel Aimé. Tout comme Vialat a un prix Vialat. Effectivement, mais c'est pas l'initiative ne vient même pas de l'association. Elle vient des hôtels littéraires. Non. Non plus. Non. Le prix Marcel Aimé est décerné par la région de Franche-Comté, à Besançon, par l'association du livre des auteurs comtois. Et donc depuis maintenant une quinzaine d'années. En revanche, trois membres de l'association, des amis de Marcel Aimé, siègent au jury. J'en ai même moi-même été fait partie pendant une dizaine d'années. Et alors, effectivement, les hôtels littéraires Marcel Aimé apportent leur soutien, mais ça, c'est depuis 2 ans. Depuis que M. Le Tertre est président de notre association. Et donc, ça permet de créer des événements littéraires dans le cadre de l'hôtel littéraire. On peut rendre d'ailleurs hommage, on peut en profiter pour rendre hommage à Jacques Le Tertre, qui a un hôtel Vialat à Clermont-Ferrand, un hôtel Flaubert à Rouen. Proust, il y a un autre.
Proust à Paris, non ? Proust à Paris, ouais, Marcel Aimé à Paris. Jules Verne, je crois, à Bordeaux. Oui, oui. Jules Verne à... Non, c'est pas à Bordeaux. Nantes, peut-être. Parlez pas tous en même temps. Jules... À côté de Bayonne. Oui, c'est Biarritz. Biarritz. Biarritz, voilà. Non, j'étais pas très Rimbaud. Loin. Rimbaud à Paris. Oui, oui, il est à côté de la Porte Saint-Martin, pas très loin. Non, mais alors, ce que je trouve très intéressant, moi, un jour, j'ai proposé à Jacques Leterre, j'ai un de mes écrivains favoris, Paul Léoto, je lui ai proposé, je lui ai dit, vous devriez faire un hôtel Paul Léoto. Il a dit, mais ceux déjà qui connaissent... D'abord, Paul Léoto n'est pas si connu, hélas, que Rimbaud, que Flaubert, que Marcel Aimé, mais surtout pour ceux qui l'ont lu, il vivait dans une telle crasse que ce serait peut-être pas une bonne publicité. Oui. Mais ils sont formidables parce que moi j'ai visité un camping Léoto éventuellement. Ouais, mais alors avec des chats et des chiens qui seraient partout, même une oie, je crois qu'il a même promené en laisse quand il allait dans certaines soirées littéraires. Bon. Mais j'ai visité l'hôtel Marcel Aimé avec Jacques Leterte, c'est Leterte qui me l'a fait visiter, et j'étais étonné, parce qu'on a, et je pense que ça doit être pareil pour Vialat, que je ne connais pas, mais j'ai visité aussi Rimbaud, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de l'auteur, parce que chaque chambre a le nom d'une nouvelle ou d'un roman, alors... Le bouquin est disponible, hein, tu vois, bon, c'est... Et je trouve en plus que M. Leterte a édifié un hôtel sur la butte Montmartre, c'est quand même... Paradoxal. Jérôme Trollet pour l'association Vialat. Oui, non, je relevais tout à l'heure quelque chose que j'aimerais partager pendant un instant, c'est la traduction. Dieu, comment Marcel Aimé a, nous le disait Jean-Pierre Belleville tout à l'heure, un nombre considérable de traductions. J'ai l'impression que Gripari, Béraud et Vialat, enfin je le sais pour Vialat, ont très 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 peu été traduits. Ah non, alors pour Béraud, tout a été traduit. Enfin, non, ses romans ont été traduits. Ses romans ont été traduits. Le Martyr de l'Obèse dans toutes les langues. En arabe, en... Ah, en c'est extraordinaire. C'est j'en extraordinaire. Ai pas mal des traductions. C'est quelque chose m'énerve au plus haut point, c'est de voir que Vialat a consacré le tiers de sa vie à traduire plus de 25 romans en allemand. Il a traduit Nietzsche, etc., etc. Et il n'y a pas un roman de Vialat, ni un recueil de chroniques, qui a été traduit en allemand, ni en espagnol. Les fruits du Congo ont été traduits en anglais, mais ça a disparu complètement de la situation. Et en ce moment, grâce à Pierre Jourde d'ailleurs, les Italiens ont traduit trois romans et ont commencé à publier deux volumes de chroniques. Mais il n'est qu'en italien, comme si son style était profondément roman. Il y a un petit peu de ça. Alors, il y a un petit peu de ça. Oui, mais je veux quand même vous faire observer une chose, c'est que c'est aussi le produit de la place de la littérature française dans le monde à l'heure actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est traduit aujourd'hui ? C'est Marguerite Durazoir, c'est des gens comme ça. Hein, Est-ce que Pierre Gripari est traduit ? Alors, Pierre Gripari est traduit dans le monde entier. Ce sont surtout les contes de la rue Broca. Et il y a eu Pierrot la Lune qui a été traduit en espagnol. J'ai lu un peu, puisque évidemment je parle couramment espagnol. Et je dois dire que la traduction est assez mauvaise. Ouais. Pour Pierrot la Lune. Mais sinon, c'est les contes de la rue Broca. Mais ça correspond en même temps à ce qui se vend le mieux en France, ouais. Pour Pierre Gripari. Ouais. Mmh. Non, je pense que Vialat, c'est un problème aussi de notoriété. Il n'a pas la notoriété des contes de Gripari. Ou de Marcel Aimé en général. Marcel Aimé en général. Ou même du Goncourt, parce que Béraud ayant eu un double Goncourt. Qu'est-ce que ça veut dire, double Goncourt ? Il a eu un Goncourt pour deux livres à la fois. Ils lui ont donné pour le Martyr de l'Obèse et pour, je crois que c'est Vitriol de Lune, parce que c'était pas ce qui est un roman historique, parce que c'était pas assez. C'est une pochade, en fait, le Martyr de l'Obèse. C'est une grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle. Je préfère ça à pochade, parce que pochade, ça induit toujours quelque chose d'un peu négatif. Enfin bon, c'est une grosse nouvelle.
Mais le fait d'avoir eu le prix Goncourt fait que le livre a forcément été traduit dans le monde entier. Je peux là évoquer une anecdote très courte, c'est que Alexandre Vialat, avec Les Fruits du Congo, a été second au Goncourt, derrière Julien Gracq, le rivage des Sirtes. Oui. Et Julien Gracq, avant, avec son éditeur, avait dit à tous les jurés du Goncourt, je ne l'accepterai pas. Et son éditeur n'avait même pas envoyé les livres au jury du Goncourt. Et pourtant, le Goncourt l'a élu, choisi. Gracq l'a refusé, mais la règle du Goncourt fait que le prix ne va pas au second. C'est dommage, oui. C'est triste. Ah oui, c'est dommage. C'est triste comme histoire. Bon. Jean-Pierre Belleville. À propos du Goncourt, Marcel Aimé n'a jamais eu le Goncourt, au prétexte qu'il avait déjà reçu le prix Théophras Renaudot. Et alors, il avait été nommé plusieurs fois, mais il a jamais obtenu le prix. Et il avait fini par dire, maintenant, sur la couverture, je vais mettre hors Goncourt. Guitry n'avait pas fait un prix concours, une chose comme ça. Ah oui, avec René Benjamin, à la Libération. Je ne sais plus comment. Oui. Bon, je vais récapituler un peu pour nos auditeurs, parce que vous avez là quatre passionnés pour les écrivains qu'ils défendent dans leurs associations, mais croyez-moi, ils en aiment d'autres, et c'est ça qui est le plus important. Donc je reçois ce soir, on n'a pas terminé, oh là là, on a encore beaucoup de choses à dire, et on va entendre des... Petite surprise, allez. Mais en attendant, donc Marcel Aimé était représenté par Jean-Pierre Belleville, Henri Béraud est représenté par Francis Bergeron, Alexandre Vialat est représenté par Jérôme Trollet, et Pierre Gripari est représenté par un jeune garçon plein d'avenir, c'est notre gamin, on est tout content de l'avoir ce soir avec nous, il nous rajeunit, qui est Raphaël Pajares. Alors messieurs, pour Radio Courtoisie, quand même, je voudrais qu'on s'adresse un peu aux auditeurs. Comment rejoindre vos associations? Vous allez donner des adresses. Bon, alors je sais qu'il y a la solution de facilité. On tape association Béraud, association Vialat sur Internet et quelque chose apparaît. Mais je voudrais en savoir un petit peu plus. Je voudrais que vous me parliez aussi des cotisations. Vous me parliez de tout ça. Faut mettre les choses. On va commencer par Marcel Aimé. Allez, Jean-Pierre Belleville. Ah. Mais pour s'inscrire à l'association... Il suffit s'adresser au secrétaire, c'est-à-dire à moi. Ouais, alors, il faut envoyer un chèque de combien? Soyons francs, quoi. Bon, c'est 35 euros. Oh, c'est pas extraordinaire. Alors, l'adresse, on la trouve sur Internet ou vous voulez la donner? Oui, c'est sur le site de la SAMA. Oui, mais alors, tout à l'heure, Bergeron nous disait que chez Béraud, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet. Ça, je n'ai pas dit ça. C'est moi. Ah, c'est Vialat. Oui. C'est Vialat qui a dit ça. Un certain nombre d'amis qui n'ont pas Internet. On évoquait ça au niveau du bulletin. Mais je fais pour une cinquantaine d'amis un tirage papier du bulletin que j'envoie avec un timbre, la poste, etc. La poste faisant foi, le cachet de la poste faisant foi. Donc, alors, Jean-Pierre Belleville, on trouve ça... Mais donnez quand même l'adresse. Bon. Vous envoyez le chèque de 35 euros. Alors, l'adresse, c'est 15 Parc de Béarn. Oh, c'est joli. À Saint-Cloud, 92-210. Voilà. Bon, et alors, pour Béraud. Alors, pour Béraud, j'avais ouvert une boîte postale sur l'île de Ré. Mais le problème, c'est que le facteur mettait les courriers, non pas dans la boîte postale, mais dans ma boîte aux lettres, que je ne relevais qu'aux vacances d'été de l'année suivante. Donc les malheureuses personnes qui écrivaient n'avaient une réponse que 6 mois plus tard. Donc du coup, j'ai transféré l'adresse au 17 rue du Parlement, 36 200 Argenton-sur-Creuse. C'est là où j'ai ma maison. Enfin, nous avons la maison de famille. C'est voilà. Pas sur la Nationale 20, ça. Moi, j'étais en début d'après-midi pour. Alors, on envoie combien? Alors, l'adhésion est moins chère
Ah. Moins cher que Marcel Aimé. Donc, je pense que les auditeurs en déduiront ce qu'il faut faire. Elle est à 30 euros. On en est déjà à 65. Pour Pierre Gripari, Raphaël Alors, Pajares. Pour Pierre Gripari, on peut passer par Facebook puisque nous avons notre page. Donc, on peut nous joindre directement. On peut aussi nous écrire au courriel puisque nous n'avons pas encore de site internet pour le moment. Ami au pluriel de pierregripari@gmail.com. Ou alors, on peut nous envoyer également un courrier papier à l'Association des Amis de Pierre Gripari, 6 Impasse Rey, REI2. LE 75014 Paris. Et je dois dire que nous sommes encore moins chers. On y a tenu avec Gilles Bourquin, sachant que Pierre Gripari était un écrivain qui vivait de façon très modeste. Pour nous, c'est 20 euros. Quand on est étudiant, c'est 10 euros. Quand on est en couple, c'est 30 euros. Écoutez, on ne rentre pas dans ces détails. Voilà. Et l'adhésion de soutien, donc, qui est libre à partir de 40 euros. Voilà. Abonnement de soutien, messieurs, vous recevez 150 euros, vous les prenez, je pense. Oui. Et on va terminer par Vialat avec notre ami Jérôme Trollet. Alors, j'espérais, après, avant l'intervention de notre ami de Pierre Gripari, avoir le record de l'adhésion la moins chère. Moins 10 ans. Et là, notre adhésion est à 25 euros. Depuis 10 ans. Et on s'adresse à Jérôme Trollet. 11. Trollet avec un T, hein, c'est pas avec un trolley. Avec un T avec deux L. Voilà. Oui, sans bus à la fin. 11 rue d'Assas, 75006. Paris. Et bien entendu, on peut aussi aller sur Internet. Et on peut aller sur Internet, alors, le site et un Facebook aussi. Alors, on récapitule. 35 plus 30, 65. 25. 90. Et on a un tarif... 110. Voilà. C'est-à-dire que pour 110 euros, chers auditeurs, vous êtes au milieu de parmi les meilleures associations littéraires qui existent. Mais il y en a d'autres. Moi, j'en ai vu malheureusement disparaître. J'ai vu disparaître Sacha Guitry, André Bernard l'avait dissoute. Bon, j'ai vu disparaître Léon Blois, les études bloyennes. Ah oui. C'était M. Harveillé qui s'occupait de ça. Je crois que ça lui coûtait très cher aussi parce qu'il n'avait pas beaucoup d'adhérents. Le pauvre homme est mort. Hein, oui, en plus. Ça, oui, voilà. En plus. Et alors, il y avait Léoto, il paraît que ça redémarrerait. Moi, j'avais connu l'association de Léoto avec Edith Silve qui s'en occupait beaucoup. Mais elle m'avait un peu fait un coup de jarnac. Elle devait passer dans mon émission il y a 15-20 ans de cela. Et puis elle m'appelle 3 jours avant. Elle me dit, tu comprends, non, je ne peux pas passer sur Radio Courtoisie parce que nous avons quand même dans le comité d'honneur des gens comme Pierre Perret, etc. Alors j'ai dit, bon, bah, tu fais comme tu veux. Mais je me suis dit, avec Dutour, on va monter un petit coup. Et alors, on a dans le journal de Jean Ferré, j'ai raconté ça. Et Jean Dutour a eu un mot remarquable. Il a dit... Qu'est-ce qu'il doit être content, Léoto, lui qui aimait tellement les animaux, parce que les gens qui s'occupent de son association sont des moutons. Et j'ai trouvé ça excellent, très, excellent, très bon. Ouais. D'ailleurs, alors à propos d'ailleurs de Marcel Aimé, j'ai rencontré d'ailleurs récemment un animateur, Christian Morel, de l'association des Amis d'Alphonse Allaire. J'ai bien entendu, vous passerez dans mon émission. Je le verrais peut-être faire plus une émission avec des gens de l'esprit français, Courteline, Jules Renard, Guitry, bien sûr, même si il n'y a plus d'association. Écoutez, je vais... Voilà un article de Dutour qui a dû paraître dans les années 70 sur les œuvres romanesques complètes de Marcel Aimé, illustrées par Topor. C'était dans les années 70, ouais. Me semble-t-il. Oui, oui. Je dirais 75, 77. Je dirais 4 tomes, là. 66. Ah oui, si vieux. Et si après ça, vous n'avez pas envie de lire du Marcel Aimé, je ne peux plus rien faire pour vous. Quand je publiais mon roman Au bon beurre, plusieurs critiques m'apparentèrent à Marcel Aimé. J'étais jeune, j'en fus vexé. Marcel Aimé me paraissait bien commun, bien plat, comparé à un génie de ma sorte. Je ne voyais pas qu'on me faisait une immense louange. Soyons justes, les critiques qui la faisaient ne le voyaient pas non plus. Il y a 25 ans, Marcel Aimé n'était pas du tout à sa place. On le considérait au mieux comme un agréable conteur. Les grands hommes du moment étaient Sartre, Mauriac, Faulkner, Malraux, Camus.
on commençait à découvrir Céline. Les autres écrivains venaient loin derrière ses phares, surtout Marcel Aimé, qui était plutôt de droite, qui n'avait pas de biographie, qui vivait bourgeoisement à Montmartre. Quel scandale, n'est-ce pas, de vivre bourgeoisement à Montmartre. Le travail de la postérité est émouvant. Dans 20 ou 30 ans, on sera bien étonné de voir quels écrivains français auront illustré le XXe siècle. À peu près aucun de ceux qui furent comblés de gloire de leur vivant. Marcel Aimé restera comme le romancier le plus fort, le plus aigu du milieu du siècle. Il est le seul qui aura laissé un tableau balzacien de son temps, qui l'aura saisi dans sa vérité, qui en aura fait la caricature définitive et indestructible. Et ben voilà. Excellent. Mais en attendant, on va écouter des chansons des textes de nos amis. On commence, par Alexandre Vialat. Alors, qu'est-ce qu'on va passer d'Alexandre Vialat? Alors, c'est une chanson qu'interprète Jacqueline Gauthier et qui a été interprétée pendant cette même émission au cours de laquelle nous avons entendu Alexandre Vialat tout à l'heure parler du catalogue Manu France. Jacqueline Gauthier chante la chanson de Fred, qui est un long poème qui termine les fruits du Congo. Et quand on voit l'émission en vidéo, on voit Alexandre Vialat qui tient son texte et qui l'aide. Et on entendra Jacqueline Gauthier buter sur un mot ou sur un autre, et on entendra Vialat lui dire c'est ceci, c'est cela. Eh bien, on l'écoute. Roseau noir, ma tour d'opale, mon enfant, mon matin d'été, mon hirondelle et ma cymbale, ma douceur, ma sévérité, mon liseron, ma transparence, mon ombre et mon opacité, mon remords et ma complaisance, mon erreur et ma vérité, ma famine et mon abondance, mon luxe et ma nécessité. Ma Chine et ma rive étrangère, mon lointain, ma proximité, mon pilote et ma passagère, ma conteuse et ma racontée, mon horizon, ma familière. Ma maison, mon fleuve et ma danse, ma halte et ma mobilité, mon flot, ma barque et ma cadence. Qu'est-ce que c'est après? Mon départ. Mon départ et mon arrivée, mon pain, mon vin, ma fausse orange, mon pavot, ma fatalité, mon labyrinthe et mon mensonge, mon pardon, ma complicité, herbe du rite et fleur du songe, porte de mes félicités. C'était Vialat chanté par Jacqueline Gauthier. Oui.
Et maintenant, on va écouter Pierre Gripari. Qu'est-ce qu'on écoute de Pierre Gripari ? Alors, on écoute Clémence. Les paroles sont de Pierre Gripari. C'est une chanson qu'il a écrite pour le chanteur, donc le monsieur qui va chanter, qui s'appelle le docteur Merlin. En fait, il a écrit pour sa fille qui s'appelait Clémence, puisqu'elle était, c'était une petite fille qui était très triste de ne pas avoir de chanson à son nom. Alors, Pierre Gripari lui en a écrit une. On écoute. Prends un siège au Sénat, dit l'empereur Auguste. Tu as agi, mon gars, d'une manière injuste. Tu t'es conduit contre ton bienfaiteur comme un affreux conspirateur. Mais Clémence passait par là avec son sourire ineffable devant ce visage adorable. Le grand Auguste pardonna. Nous retrouvons plus tard la même histoire ou presque chez le divin Mozart en opéra tudesque. Face au coupable, l'empereur Titus veut le traiter en détritus. Mais Clémence passait par là avec sa taille de déesse à voir sa mine enchanteresse. Le grand Titus capitula. Mais hélas, on me dit que la pauvre Clémence sur nos rois d'aujourd'hui n'a que peu d'influence. Un certain Charles qui un beau matin fit fusiller un écrivain. Clémence eut beau venir le voir, elle eut beau déployer ses charmes en usant de toutes ses armes, le vieux ne voulut rien savoir. Pour rendre moins haineux les hommes en démence, honorons d'autant mieux la vertu de Clémence. Par-dessus tout, célébrons et chantons les filles qui portent son nom. Parmi vos plus amères pensées, si Clémence vous rend visite, ouvrez-lui la porte bien vite, vous en serez récompensés. Et maintenant, c'est au tour d'Henri Béraud, mais ce n'est pas une chanson d'Henri Béraud. Pourquoi l'avez-vous mis sur ce petit CD qui avait été édité en mémoire de Béraud ? Ah, parce que c'était compris dans le reportage, si je puis dire, de Pathé Marconi. Il y avait donc l'intervention de Béraud qu'on a entendue en début de séance. Et il y avait un morceau de musique, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est tout. Béraud ne chantait pas. Il a pensé devenir ténor. Mais enfin, sa carrière est extrêmement courte. On l'écoute quand même, c'est un document d'époque. C'est un sanctuaire adorable, ma bonne cave au mur s'épaisse. Avec son pain tapis de sable, sa douceur obscure et sa paix. Une fraîcheur toujours égale qui règne dans toute saison. Jamais le plus léger frisson n'ébranle sa voûte ogivale. Docteur, tous tes conseils sont vains, à ton augure je préfère. Flambant au cristal de mon verre, l'âme ardente de mes vieux vins. Alors, on
Bon, c'était un document d'époque très La cave à vin de Béraud, peut-être. On a publié d'ailleurs un cahier consacré à la cave à vin de Béraud. Ah, ça, c'est intéressant. C'est plus intéressant que l'avenir de l'humanité, je trouve. Marcel Aimé, Jean-Pierre Belleville. Alors là, on a de la chance. C'est qu'un grand auteur, compositeur, interprète a mis en musique des textes de Marcel Aimé, où Marcel Aimé a donné des textes sur des musiques. Comment ça s'est passé exactement ? Marcel Aimé a écrit une vingtaine de textes de chansons, et la plupart, c'était pour une comédie musicale, Patron, qui a été créée au Théâtre Sarah Bernhardt en 1959, avec Zizi Jeanmaire et Roland Petit, la troupe de Roland Petit. C'est d'ailleurs Zizi Jeanmaire qui devait chanter la Chabrac sur scène, et dans des décors de Bernard Buffet. Cette comédie musicale a fait un four. C'est bien triste. Il est resté les chansons. Alors la Chabrac, elle était chantée par Guy Béard. Guy Béard qui avait fait la musique, par Zizi Jeanmaire, il existe des CD, par Pia Candido, qui est peut-être la version que je préfère d'ailleurs. Pia Candido, vous confondez pas avec Pia Colombo. Pia Colombo. Et puis, c'est Michel Arnaud. Aussi. Oui, je l'ai aussi par Michel Arnaud. Mais là, on l'écoute par Guy Béard, qui est celui qui a composé la musique. Ouais. La Chabrac, paroles de Marcel Aimé, musique de Guy Béard. Une blonde malabar, les yeux durs, je peux pas mieux dire la découpure. En plus de son accent Chabrac, qu'avait Marika, la Polac, elle logeait rue du Pont aux Choux sous les toits avec un chien loup. Qui lui avait léché les mains un soir dans la rue Portefoin. La Chabrac, avait de la défense et de l'attaque. La Chabrac, avait un chien fou, un chien loup. Des années, elle est restée sage. Elle supportait pas le badinage, ni des paumés, ni des richards. Je l'ai vu sonner à coups de riflard un grossium du carreau du temple, qu'en pinçait pour ses 20 printemples. Et puis au square, elle s'est toquée d'un minable qui l'a reluqué. La Chabrac, qu'avait de la défense et de l'attaque. La Chabrac, qu'avait un chien fou, un chien loup. Il est venu rue du Pont aux Choux, ça pouvait pas plaire au chien loup. Tout de suite il a montré les dents, et quand il a vu le soupirant serré contre lui, la Chabrac, il lui a sauté au colbac. Tellement la bête a mordu fort, v'là le minable saigné à mort. La Chabrac, qu'avait de la défense et de l'attaque. La Chabrac, qu'avait un chien fou, un chien loup. Les hirondelles qui pédalaient le long du boulevard Beaumarchais, sur le coup de 3 heures du matin, on croisait une fille et un chien. Une grande bringue qu'avait l'air pressée, le chien la suivait, tête baissée. Dans la brume, ils se sont perdus, et la Chabrac, on l'a plus revue. La Chabrac, qu'avait de la défense et de l'attaque. La Chabrac, qu'avait un chien fou, un chien loup. La 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 la, la 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 la, la la la.
Oui, c'était la Chabrac des Verts de Marcel Aimé, qui sont un peu un hommage à la chanson réaliste des Frêles et autres. C'est très, très beau. Une petite question quand même. Le premier disque de Gainsbourg était à 25 cm, comme à l'époque, s'appelait Du chant à la une. Il a fait le texte derrière. Ils se sont connus. Comment ça s'est passé, Gainsbourg et Marcel Aimé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Gainsbourg fréquentait le Lapin Agile. C'est là que Marcel Aimé rencontrait des chanteurs. Hein. Mmh. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Vas-y. Claude Nougaro avait débuté au Lapin Agile. Et il jouait sur les mots. Ses chansons étaient très rythmées. Et Marcel Aimé avait dit au patron du Lapin Agile, mais qu'il n'aimait pas tellement ça, il trouvait que Claude Nougaro jouait trop sur les mots, etc. Pourquoi pas. Très rapidement, chacun 30 secondes. Alors, vous, d'abord Jean-Pierre Belleville, sur cette émission, un encouragement aux lecteurs? Oui, j'espère effectivement que cette émission donnera envie aux lecteurs de découvrir Marcel Aimé, qui est toujours publié d'ailleurs, en fait, c'est Gallimard qui gère les publications de Marcel Aimé. Hein. Henri Béraud, par François Hilargeau. Henri Béraud, moi je dirais simplement qu'il y avait autour de cette table des associations d'écrivains qui, à quelques rares exceptions près, ne sont pas des associations subventionnées par des conseils généraux, conseils régionaux, etc., ministère de la Culture, etc., qui, alors que la plupart de ce type d'associations n'a pas d'adhérents, mais a des subventions. Nous, on est plutôt dans le cas inverse, et je pense qu'il serait de bonne politique d'avoir une certaine coordination entre ces associations pour valoriser ces auteurs qui ne sont pas encore tout à fait à la bonne place. Vialatte par notre ami Trollet. Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, cher ami. Pour nous, le mot important est aussi ami. Ami d'Alexandre Vialatte. Alexandre Vialatte avait pour l'amitié un véritable culte. Sa vie est un passage au milieu de ses amis. Il l'exprime dans tout ce qu'il écrit. Et nous avons l'impression un peu de continuer en étant ami d'Alexandre Vialatte, bien qu'il ne soit plus là. Pierre Gripari par Raphaël Pajares. Bien, j'espère que cette émission aura donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir Pierre Gripari et puis surtout de nous rejoindre. On vous attend au sein de notre association. Nous venons de réouvrir nos portes. Et puis, j'espère aussi que Pierre Gripari sera un jour réédité. Ça va se faire. C'est le plus important. Prochaine émission, le 21 avril, avec, on évoquera notamment une arnaqueuse de 100 kilos, un éloge du panache et une défense de la poésie. Pas mal comme programme, non? Allez, au 21 avril. D'entendre le libre journal de la douceur de vivre dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 mars 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.